T'sais, on avait carte blanche. Au début, mettons, dans les premières semaines, on faisait des affaires. T'sais, moi, je suis arrivé, mettons, avec clairvoyant. Il y a pas de femme aux femmes, mais je vais t'enlever l'utérus, ça goûte bon. T'sais, c'était n'importe quoi, là. Cherchais une façon de perdre 60 livres, mais je vais t'amputer une jambe. Fait que, elle était un peu, t'sais, elle était folle avec là, les. T'sais, il y avait des boss qui venaient nous voir, mais nous autres, avec Mario, c'est que, t'sais, t'as pas de job, tu veux pas faire ça. Fait que le boss qui vient te voir, tu dis, moi, d'où? J'ai déjà dit à mon boss, ne me jugez pas, mais c'est parce que c'est moi qui ai le micro. C'est moi qui décide. Si t'es pas content, calisse-moi dehors. Il est venu me donner un commentaire sur un gars que j'avais fait la veille. Fait que j'ai dit, je m'en vas-tu là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, toi, t'es. Je suis allé te voir et te dire comment Brenda Station? Non? Ben, tu vas me calisser patience sur comment je fais les sketchs parce que, à ce que je pense, là. Je t'ai vraiment entendu faire un gag ici. J'étais en tabarnak. Vraiment, je le prenais pas. Ça me tentait pas. Il a-tu pleuré dans le studio? Il a attendu d'être dans son bureau avant. Ah, c'est clair qu'il a pleuré. Non, non. Hey, ce gars, ce boss-là. Il est arrivé à la maison. Ça fait c'est comment aujourd'hui? Je veux pas en parler. Ah non, mais il m'avait insulté. Le ton qu'il avait, il m'avait insulté. Fait que là, j'ai dit, Chris, t'es jeune, t'as 23 ans. T'es mon tabarnak, on va se battre. Et puis. C'est devenu mon meilleur boss à vie. Okay. Il est devenu président à un moment donné de la chaîne au complet. Il a toujours agi comme un père pour moi. Je veux dire, vraiment, ça a été. C'est bizarre parce que ça a commencé tough avec lui, mais il m'a accordé raison. C'est-à-dire, Chris, si ça marche pas, t'as pas de son, t'as pas de résultat, t'as des peines, Chris-moi dehors. Ah, ouais, mais pour l'instant, viens pas me voir tous les jours que ton esti débrief. Ah, ouais. Moi, je te parle pas de ton branding, là. Fait que, tu sais, je me disais, c'était un no-brainer pour moi, ça. Fait que non, il a jamais eu ça. On avait carte blanche depuis le début. Puis en cours de route, on a fait des erreurs connes, tu sais, puis Mario l'avouera jamais, là, mais une des erreurs les plus folles qu'on a faites, on pogne le contrat avec l'Auto-Québec, tatale, on a un contrat, l'Auto-Québec, là, on devient les porte-parole de Québec 49, puis là, ben, tu peux juste faire ça pendant 20 ans, puis tu travailles plus, calisse. Puis là, Mario, il décide de faire Yves Corbeil qui rit de ça. Là, il me lit son sketch en meeting. Je fais « Calisse, dude. Tabarnak. » Je vais vous le dire en plus, là. Hey, je te dis, une affaire, c'est folle. C'est un asie de contrôle. On est habillé avec un chandail bleu puis rouge, je dis, avec des faces de cave. Mais on a fait 100 000 piastres avec ça. Là. Tu fermes ta calisse de gueule, là. Moi, je capotais. J'ai dit, là, je pense pas qu'ils vont aimer ça. Ils disent, oh, ouais, oh, ouais, venez, il va faire Yves Corbeil, ben, ma petite madame est dentée, ben oui, ben oui. Fait que là. Ils mettent toutes les crises de joke à faire pour chier sur le produit. Hey, madame, dans le coup, ben oui, ben oui, la route, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis on rit, c'est sûr qu'on rit. L'Auto-Québec, mon gérant appelle l'Auto-Québec, ça va-tu? Oui, oui, y a pas de problème. Peux-tu te dire que le contrat peut être renouvelé? Cool. C'est avec lui que je voulais travailler au début. Une chance, j'ai pris tout. Pas de jugement. Tu sais, je veux dire, on avait 60 personnages. Voir si on avait besoin de faire Yves Corbeil. Il était enterré, ça faisait 8 ans. Personne n'avait entendu parler. Lui, il l'a revu à quelque part dans un talk show. C'est drôle. Tu me dis, mais oui. Ah, j'en ai voulu en esti, là. Ah, Chris. C'était écœurant, ça. Tu sais, on travaillait pas fort, là. On faisait un spot. On a fait un spot d'indépendant déguisant latino. On avait du fun, là. C'était le fun. On prenait deux jours, À cause de ça, Mario, je l'aime encore plus.